We will always be there for you. UBA, Africa's Global Bank. Excellence doesn't happen overnight. At 21st Century Innovation, and now, there is no limit. At the United Bank for Africa, we are committed to delivering the best for you. We have deep roots in Africa. Across our continent, we drive financial inclusion, trade and entrepreneurship. We operate in the United Kingdom and in France. We are the only African bank with a national banking license in the USA. We understand the importance of the Gulf as a hub for global trade. Hey Leo, split the bill into four, please. UBA is built on our cutting-edge technological infrastructure that guarantees not just to take Africa's talent and perspective to the world, but to bring the entire world back home. Because the one thing you can trust is we will always be there for you. UBA, Africa's Global Bank. Life no dey stop. Whether na landlord wey won chop you raw. We no believe say life suppose stop because you won move forward. Now why we dey one dialing way to settle every matter? One dialing way to give you the loan way you need sharp sharp. Just dial *919*28#. That's all. Life no dey stop. You self no suppose stop. Click Credit UBA. Life never stops. From landlords who want your head on a platter, to medical emergencies that creep up when you're not looking, life never stops. We know that bills for auto repairs could make you dizzy, and the cost of getting that MBA degree could very well cause the earth under you to tilt. But we don't believe life needs to stop for you to keep moving. We are one click away to hold your hand when the ground tilts. Dial *919*28# today. Life never stops. Neither should you. Click Credit UBA. Started if it's not united, why you banking? I got cash and it's never tarnished. Trying to what's out of grass just like my garden. Make it make sense, I guess sense on sense. If I want to go in, it depends on fresh. If I want to buy flats, I go flex my check. Now I know we step by step. Step in and we move it. I text me, you'll say giant.
get me, sir. I didn't even confirm the verification badge on your account. Because I know UBA would never ask me to share my bank details or my PIN for that matter. Well, to complete the game. Look out for the verified handle tag on our social media platforms before engaging. And do not share your private information with anyone. And ensure you report any suspected fraud activities to our fraud helpline, UBA, Africa's global bank. This mood don't really get me, sir. I didn't even confirm the verification badge on your account. Because I know UBA would never ask me to share my bank details or my PIN for that matter. Well, to complete the game. Look out for the verified handle tag on our social media platforms before engaging. And do not share your private information with anyone. And ensure you report any suspected fraud activities to our fraud helpline, UBA, Africa's global bank. This mood don't really get me, sir. I didn't even confirm the verification badge on your account. Because I know UBA would never ask me to share my bank details or my PIN for that matter. Well, to complete the game. Look out for the verified handle tag on our social media platforms before engaging. And do not share your private information with anyone. And ensure you report any suspected fraud activities to our fraud helpline, UBA, Africa's global bank. This mood don't really get me, sir. I didn't even confirm the verification badge on your account. Because I know UBA would never ask me to share my bank details or my PIN for that matter. Well, to complete the game. Look out for the verified handle tag on our social media platforms before engaging. And do not share your private information with anyone. And ensure you report any suspected fraud activities to our fraud helpline, UBA, Africa's global bank. This mood don't really get me, sir. I didn't even confirm the verification badge on your account. Because I know UBA would never ask me to share my bank details or my PIN for that matter. Well, to complete the game. Look out for the verified handle tag on our social media platforms before engaging. And do not share your private information with anyone. And ensure you report any suspected fraud activities to our fraud helpline, UBA, Africa's global bank. This mood don't really get me, sir. I didn't even confirm the verification badge on your account. Because I know UBA would never ask me to share my bank details or my PIN for that matter. Well, to complete the game. Look out for the verified handle tag on our social media platforms before engaging. And do not share your private information with anyone. And ensure you report any suspected fraud activities to our fraud helpline, UBA, Africa's global bank. Excellence.
doesn't happen overnight. We have over 70 years of banking expertise and experience across Africa and the world. At 21st Century Innovation, and now there is no limit. At the United Bank for Africa, we are committed to delivering the best for you. We create financial solutions that power your dreams to ensure that your needs, however small, or however great, are always met. We have deep roots in Africa. Across our continent, we drive financial inclusion, trade, and entrepreneurship, helping all our clients realize their ambitions. Kingdom and in France. We are the only African bank with a national banking license in the USA. In leading financial centers, we provide services and solutions to banks, corporates, sovereigns, and development organizations. We understand the importance of the Gulf as a hub for global trade, and we are expanding our business there. Hey Leo, spit the bill into four, please. UBA is a digital pioneer built on our cutting-edge technological infrastructure that guarantees not just to take Africa's talents and perspective to the world, but to bring the entire world back home. Because the one thing you can trust is we will always be there for you. UBA, Africa's global bank. Excellence doesn't happen overnight. At 21st Century Innovation, and now, there is no limit. At the United Bank for Africa, we are committed to delivering the best for you. We have deep roots in Africa. Across our continent, we drive financial inclusion, trade, and entrepreneurship. We operate in the United Kingdom and in France. We are the only African bank with a national banking license in the USA. We understand the importance of the Gulf as a hub for global trade. Hey Leo, split the bill into four, please. UBA is built on our cutting-edge technological infrastructure that guarantees not just to take Africa's talent and perspective to the world, but to bring the entire world back home. Because the one thing you can trust is we will always be there for you. UBA, Africa's global bank. Life no dey stop. Whether na landlord we won't chop you raw. We no believe say life supposed stop because you won't move forward. Now why would they won't die the way to settle every matter? Won't die the way to give you the loan where you need sharp sharp. Just dial star 919 star 28 hash. That's all. Life no dey stop. You self no supposed stop. Click credit UBA.
Life never stops. From landlords who want your head on a platter, to medical emergencies that creep up when you're not looking, life never stops. We know that bills for auto repairs could make you dizzy, and the cost of getting that MBA degree could very well cause the earth under you to tilt. But we don't believe life needs to stop for you to keep moving. We are one click away to hold your hand when the ground tilts. Dial *919*28# today. Life never stops, neither should you. Click Credit UBA. Excellence doesn't happen overnight. We have over 70 years of banking expertise and experience across Africa and the world. At 21st Century Innovation, and now there is no limit. At the United Bank for Africa, we are committed to delivering the best for you. We create financial solutions that power your dreams to ensure that your needs, however small, or however great, are always met. We have deep roots in Africa. Across our continent, we drive financial inclusion, trade, and entrepreneurship.
helping all our clients realize their ambitions. We operate in the United Kingdom and in France. We are the only African bank with a national banking license in the USA. In leading financial centers, we provide services and solutions to banks, corporates, sovereigns, and development organizations. We understand the importance of the Gulf as a hub for global trade, and we are expanding our business there. UBA is a digital pioneer built on our cutting-edge technological infrastructure that guarantees not just to take Africa's talent and perspective to the world, but to bring the entire world back home. Because the one thing you can trust is we will always be there for you. UBA, Africa's Global Bank. Gender equality has become one of the most important SDGs that companies and organizations and people globally are focused on. I'm not surprised about this because, you know, without gender equality, we can't reach that sustainable development that we want in the underdeveloped countries and even in the Western world. On the continent of Africa, there are 50% women and 50% men. Now, if we decide not to utilize that 50%, then we are not going to have sustainable development. If we decide that 50% of the workforce is not as useful, then we're going to be losing out on potential development. I take, for example, the organization in which I work, United Bank of Africa, and I see more and more women assuming top roles, significant roles. And what is happening is that you don't see a difference in the way that women deliver from the way that men deliver. At the UBA Foundation, we're very much focused on gender equality. It's one of the most important SDGs right now. The UBA Foundation will be partnering with UNICEF and FCDO, an initiative of the British government. It's called 12 for 12. It is meant to ensure that the girl child gets 12 years of mandatory education, especially in the less developed areas. I love being a woman at UBA. I have never witnessed any gender inequality. And so if every organization plays this role one step at a time, then, you know, we'll be getting closer to achieving this sustainable development. Excellence doesn't happen overnight. At 21st Century Innovation, and now, there is no limit. At the United Bank for Africa, we are committed to delivering the best for you. We have deep roots in Africa. Across our continent, we drive financial inclusion, trade, and entrepreneurship. We operate in the United Kingdom and in France. We are the only African bank with a national banking license in the USA. We understand the importance of the Gulf as a hub for global trade. Hey Leo, split the bill into four, please. UBA is built on our cutting-edge technological infrastructure that guarantees not just to take Africa's talent and perspective to the world, but to bring the entire world back home. Because the one thing you can trust is we will always be there for you. UBA, Africa's global bank.
Life no dey stop. Whether na landlord we won't chop you up. You no believe say life supposed stop because you won't move forward. Now why we dey one dining way to settle every matter? One dining way to give you the loan where you need sharp sharp. Just dial *919*28#. That's all. Life no dey stop. You self no supposed stop. Click Credit UBA. Life never stops. From landlords who want your head on a platter, to medical emergencies that creep up when you're not looking, life never stops. We know that bills for auto repairs could make you dizzy, and the cost of getting that MBA degree could very well cause the earth under you to tilt. But we don't believe life needs to stop for you to keep moving. We are one click away to hold your hand when the ground tilts. Dial *919*28# today. Life never stops. Neither should you. Click Credit UBA. Why you banking? I got cash and it's never tarnished. Trying to one side of grass just like my garden. Make it make sense, I get sense on sense. If I want to go in, it depends on fresh. If I want to buy flies, I go flex my check. And that one will be step by step. Step in and we move it. I text Neo, say Jai, it's okay. We the pioneers, we the ones who the don'ts want to come near. Next gen kings, we the next best thing. Shout out to chairman. Thank you.
time. You shall not call me a slave. I am an African. Never again shall I be repaid towards that. Who are you? Jimmy, what is your problem? Why can't you just face where you're going? You see, you just almost destroyed my phone. Destroyed your phone? You were the one who had your eyes glued to your phone like a super glue, and yet you blame me for bumping into you. Chale, you need to... Hey, my name is not Chale, my friend. So, who is your friend, my friend? You bumped into me. Instead of you to apologize for your wrongdoing, you resulted in insult. You see, this is the problem I have with you black people. African. Look at this force called a ghetto black. So tell me, who are you? White or blue? Shrek! Tell me. Come. Don't touch me. I am a warrior. I am not like you, silly goat. Silly goat? You call me a silly goat, Nkosi Tong. I am bringing you. Let me check the color of your skin. Black. Black. You see? Same here. I am Iwade, meaning precious crown. All our names carry deep and beautiful meaning. Just like mine, Kofi. I am born on a Friday. Oh. And mine.
And not who or what we are. Thank you, my brother. We are black and proud with no apology. Yes. We are great nations in a big continent. Indirectly, we rule the world. Yes, we do. Talk about the great inventors of the world. Mostly blacks. Even now, the best doctors in the world. Blacks. In sports. Blacks. Even in technology. Blacks. We blacks are not backward. So you see, there's no reason to fight one another. Let's stop all this discrimination, segregation, nepotism, and unnecessary wars. We don't need it. Let's come together and take the world to the next level. As the world power. We are strong together. A formidable continent to take our rightful place in the world economy. Yes, we have all it takes to be the next world power. Rich culture, great climate, knowledgeable mind doing innovative things all around the world. So, my brothers and sisters, yes, seated. Let us stand up as blacks, as Africans, and take our rightful place in our rightful position. Amanda! Zawe! We have over 70 years of banking expertise and experience across Africa and the world. At 21st Century Innovation, and now there is no limit. At the United Bank for Africa, we are committed to delivering the best for you. We create financial solutions that power your dreams to ensure that your needs, however small, however great, are always met. We have deep roots in Africa. Across our continent, we drive financial inclusion, trade, and entrepreneurship, helping all our clients realize their ambitions. We are the only African bank with a national banking license in the USA. In leading financial centers, we provide services and solutions to banks, corporates, sovereigns,
and development organizations. We understand the importance of the Gulf as a hub for global trade, and we are expanding our business there. UBA is a digital pioneer built on our cutting-edge technological infrastructure that guarantees not just to take Africa's talent and perspective to the world, but to bring the entire world back home. Because the one thing you can trust is we will always be there for you. UBA, Africa's Global Bank. Good morning, Africa. Good morning, Africa. We're Africans. Bonjour l'Afrique. Si votre accent est Yoruba, vous pouvez dire Aïe. Si votre accent est Swahili, vous pourrez aussi répondre. Bienvenue à UBA. À ce niveau, nous aimerions inviter les intervenants. Nous allons inviter notre administrateur à l'AUBA pour présenter les intervenants. Je voudrais nous inviter tous, nous souhaiter tous la bienvenue à ces conversations de UBA sur l'Afrique. Je suis honoré de d'accueillir chacun d'entre nous. Nous avons l'idée de cet événement est de célébrer l'Afrique et de parler de son développement et sa croissance. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de l'Afrique. Et cette journée a été inaugurée et créée depuis 1961. L'unité et se trouve dans le nom de l'Union africaine et l'unité se trouve également dans le nom de notre banque. Toutes nos aspirations, notre concentration est comment changer les réalités de l'Afrique. Et c'est pour nous un mandat que nous exécutons à travers tous les pays de notre implantation. Alors, bienvenue à ces conversations. Nous allons bientôt introduire les intervenants qui vont partager avec nous leurs histoires. Et il y a les gens qui vont nous suivre à travers le monde, dans les 25 pays où nous sommes présents. Et ils vont nous rejoindre et nous allons parler de comment nous allons changer le récit de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci, monsieur, pour votre brève remarque. C'est un honneur pour moi de présenter les intervenants de cette journée. Elle est jolie, elle est journaliste, c'est une personnalité des médias.
Elle est diplômée en politique et en relations internationales. Au début de sa carrière, elle a travaillé avec le gouvernement et des ONG. Actuellement, elle est journaliste. Elle a présenté la première émission sur la faune sauvage. Elle fait aussi des reportages sur la santé, les affaires et la politique. Elle a contribué au Conseil de la jeunesse de Commonwealth depuis 2018. Elle a travaillé à Oazobia et à la télé. Je vous prie d'accueillir la belle Salami. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous accueillir. C'est notre modératrice. Il a été nommé ambassadeur de Namibie au Nigeria et au Cameroun. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, monsieur. Je voudrais également présenter mon collègue, monsieur. Il a été ministre dans l'état de Lagos. Il a étudié à l'université à Oloro. Il est correspondant et il a été correspondant étranger. Et il a commencé sa carrière en 1991. Donc, je vous prie d'applaudir, monsieur. Nous avons Lydia Forson, actrice ghanéenne. En 2010, elle a remporté le prix de Africa Academy. Et elle est diplômée de l'Université de Ghana. Elle est titulaire d'une licence en anglais. Et sa carrière d'actrice... Et elle est actrice depuis. Et le dernier intervenant, Kenneth, et il est gradué il est diplômé de l'université de l'école de mode d'Autriche. Kenneth travaille avec les artistes et les stylistes à travers le Nigeria. Et merci d'être parmi nous, M. Kenneth. Avant de commencer, et nous avons un discours que nous aimerions jouer. Métis. And that will. Are we playing the video? Is it the video? I think so. Okay. Is this on? Yeah. We must never forget where we come from. And that's my advice. Where we come from, there are our values, our family, that's very important, our environment, and also a struggle for an entire continent
that we must be part of. My message for the youth is that we should listen to the youth, and together we can build tomorrow's world, tomorrow's Africa. And they are the future. We need to listen to them so that together we can find solutions for Africa. And every youth has a duty towards its continent, what he can do for his continent, and that's important. As I said, music is my plane, and it allows me to fly everywhere. But when you have the opportunity to be an African ambassador, you have to carry with you good things about Africa and also listen to others so that we can be in harmony with the world. We go and we come as ambassadors, and there are a lot of things about Africa that are not known abroad on other continents, and it's our role to showcase the good image of our Africa. And I think that art can help us to get it right. Art needs the private sector and the public sector so that together we can harness the opportunities of art and showcase the creative industry in Africa. Thank you. C'est notre discours liminaire aujourd'hui de la part de Youssoundou, qui est musicien, compositeur et chanteur. Maintenant, nous allons commencer les discussions de ce panel, et nous avons des personnalités importantes ici. Il y a quelque chose qui a été répété plusieurs fois aujourd'hui, c'est de changer le récit de l'Afrique. Est-ce que vous pensez que la culture africaine, au fil du temps, a été respectée à travers le monde? Est-ce que vous pensez que la culture africaine a été respectée à travers le monde? Merci, Madame la modératrice. Merci au directeur général de UBA, à tous les collègues de la banque. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous informer que en Namibie, la Journée mondiale de l'Afrique est une journée importante. C'est un jour férié. En fait, c'est un jour férié. C'est une journée pour célébrer les Africains et ensuite de célébrer les contributions que l'Afrique et les Africains ont faites pour la libération de la Namibie. Aujourd'hui, nous sommes un pays libre parce que ce continent nous a soutenus pendant la colonisation. Le problème du respect de la culture africaine, la question devrait plutôt être si les Africains sont respectés à travers le monde, avant de parler de la culture. Et nous avons constaté que parfois, le respect des Africains à travers le monde n'est pas une réalité. Donc, en tant qu'Africains, nous devons faire en sorte que les Africains puissent occuper la place qui est la leur dans le monde. Je pense que nous avons beaucoup à faire. Quand vous arrivez dans un pays comme la Namibie, vous allez voir le drapeau de l'Union africaine, parce que nous croyons en la destinée de ce continent. Nous croyons que nous sommes un seul peuple et nos aspirations, notre intérêt sont
commun. C'est pour dire que nous devons travailler pour une Afrique unifiée. Nous sommes tous des citoyens de l'Afrique. Et nous devons avoir une Afrique qui rend, dont les Africains sont fiers. En Namibie aujourd'hui, donc demain est férié en Namibie. Ce serait une bonne chose que la journée de l'Afrique soit fériée à travers tout le continent. Et nous devons, vous avez dit qu'on doit parler du respect pour les Africains et vous avez raison. En termes de respect pour les Africains et sa culture, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème que nous devons respecter? Je voudrais d'abord dire que l'État de Lagos a la même journée que l'Afrique. Et donc, quand l'Afrique célèbre sa journée, Lagos aussi célèbre sa journée. Et en termes de respect de la culture africaine, est-ce qu'il y a un écart? Oui, je crois qu'il y en avait, mais que nous sommes en train de combler cette lacune. Et aujourd'hui, quand on parle de la culture africaine, on ne manque plus de respect à la culture africaine. À travers le monde aujourd'hui, vous pouvez voir que la culture africaine est célébrée à travers les films, à travers la musique comme Afrobeat. Afrobeat est devenu un phénomène mondial. Vous pouvez voir ce que Beyoncé a fait avec un certain nombre de nos artistes. C'est vrai que nous pourrions ne pas encore être où nous aimerions être, mais nous sommes, nous pouvons être fiers du fait que nous sommes en train d'évoluer. Et notre culture est en train de s'améliorer et ça va s'améliorer davantage si les médias africains accordent la priorité au contenu africain. Si nous ne considérons pas la culture comme un simple divertissement et si nous ne pensons pas qu'il faut s'intéresser à la culture quand on n'a pas d'informations à passer, donc si on accorde de la valeur à notre culture, on va y arriver. Et aussi en termes de mode, nous sommes en train de faire des progrès. Nous devons apprendre de notre passé. Je vais vous donner un exemple rapide. Il y a un besoin pour nous de nous battre pour notre place dans le Conseil des Nations. Onyeka a raconté une histoire d'un emploi pour lequel elle a postulé. Et l'un des critères, c'est qu'il faut être bilingue. Mais elle a postulé quand même et lors de l'entretien, elle a dit qu'elle parle anglais, Yoruba et Igbo. Et on lui a dit que ce n'est pas de ces langues qu'on parle du français, de l'espagnol et d'autres langues internationales. Et elle a demandé pourquoi ces langues sont supérieures aux langues africaines. Elle dit qu'il y a des millions de personnes qui parlent Igbo à travers le monde. Donc, la personne qui conduit l'entretien a été obligée d'accepter sa candidature. Donc, nous devons nous battre pour que le monde accorde à notre culture le respect qui lui est dû. Et ça veut dire également qu'au niveau de l'Union africaine, nous devons faire davantage en termes de l'importance qui est accordée à la culture et que la culture ne doit pas considérer comme secondaire aux autres, au reste de ce qui concerne notre continent.
Donc, quand vous savez ce dont vous avez besoin, il faut faire un effort pour l'avoir. Il y a un certain nombre de choses. On ne peut pas croire que ça vient de l'Afrique, mais ces choses viennent au fait de l'Afrique. Vous pouvez voir ce qui est arrivé entre Shakira et un artiste camerounais. Donc l'Afrique doit définir son territoire et nous devons montrer que nos produits nous appartiennent et c'est à ce prix que le monde va nous respecter. Est-ce que quelqu'un a regardé le documentaire Biga dans l'Afrique sur Netflix? En regardant ce documentaire, j'ai appris beaucoup de choses. Et vous pouvez voir que en Amérique latine, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de la culture africaine. Partant de notre mot, de notre musique, c'est notre créativité qui a mis l'Afrique sur la carte du monde. À l'école primaire et secondaire. Et il est rare de voir des gens qui portent des tenues africaines, mais aujourd'hui, où que vous alliez dans le monde, vous allez voir la mode nigériane et africaine. Et c'est à travers le monde, vous pouvez le voir. Donc, à travers notre créativité, nous pouvons faire beaucoup pour mettre l'Afrique sur la carte. En tant qu'Africain. Je suis l'Africain, je viens de l'Afrique. C'est d'où je viens, c'est où je connais. Le fait que la mode et l'Afrique sont très liés, c'est ce que tout le monde utilise. C'est l'ADN de l'Afrique. C'est comme si nous l'avons créé. Quand j'ai fini d'étudier, je suis rentré en Afrique. J'ai voulu travailler à partir de l'Afrique et de nulle part autre. Et j'ai découvert le tissu en laine. Et je suis allé voir ma mère et j'ai vu ce tissu. Je l'ai considéré et je me suis dit comment je peux moderniser ce tissu et le rendre facile à porter. Et j'ai commencé à travailler sur le tissu qu'on appelle la Shoki. Il y a une communauté à Ilorin et quand vous allez dans n'importe quelle communauté à Ilorin, vous voyez des artisans qui fabriquent ce tissu. Donc, je me suis dit que c'est quelque chose que je peux faire évoluer et je pense que mon idée, c'est de préserver ma culture. Si je dois faire un film, l'histoire doit projeter l'Afrique. Et toutes les idées que j'ai eues, c'est que l'Afrique a beaucoup de possibilités qu'on n'a pas fini d'exploiter. Nous sommes diversifiés, mais nous devons nous rediversifier. Et nous devons nous moderniser. Et c'est ce que nous devons faire. Par exemple, sur la façon de construire les relations. Si j'ai un artiste italien qui peut venir ici, on peut faire des choses ensemble. C'est que nous devons construire des centres, par exemple à Lagos, construire quelque chose comme un musée ou un centre où tout le monde peut aller.
Et cela doit être un centre. Non. Et voilà. Donc ça, c'est une idée pour préserver et ma culture. Je pense que c'est un devoir pour moi. Ça me rend heureux. Et voilà, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a porté quelque chose de formidable et ne s'est pas senti bien. Donc, nous avons fait des défilés à Paris. Et défiler à côté des grandes marques comme Dior, Prada. Et nous sommes concentrés sur l'énergie que nous avons ici. Et l'énergie que nous avons ici en Afrique, c'est notre A. J'ai la chance d'avoir une activité qui n'a pas besoin de d'électricité ni d'eau. Donc, je suis très content. Lydia, je voudrais poursuivre dans le même ordre. Vous êtes dans le cinéma. Il y a des films qui projettent la culture africaine. Donc, je pense que les plus grands ambassadeurs de la culture africaine aujourd'hui sont les acteurs de Nollywood. Quelle a été votre expérience de l'industrie du film avec tous les changements qu'il y a eu? Je dois d'abord dire que je suis très heureux d'être ici. Merci, UBA, d'organiser cet événement. Parce que ce n'est pas seulement ce qui est important, ce n'est pas seulement les paroles, mais c'est intéressant de voir une entreprise qui veut faire la promotion de l'Afrique. En tant que cinématographe, j'ai toujours compris que le film est un outil puissant pour commercialiser l'Afrique. Quand vous voyez les jeunes qui veulent quitter l'Afrique, parcourir, faire des voyages dangereux pour arriver où ils pensent et considèrent comme la terre promise, tout dépend de ce qu'ils voient. Donc, ils pensent que tout est meilleur que ce qu'on a en Afrique. Donc, quand on raconte les histoires sur l'Afrique, ça doit tourner autour de la grandeur de l'Afrique. Et si on raconte la grandeur de l'Afrique, ça doit inspirer les gens. Tout ce que je connais sur le Nigeria, je l'ai appris à travers Nollywood. Donc, quand je pense à l'Amérique, je pense au Hollywood. Donc, quand je vois les Nigériens à la télé, donc, tout ce que je sais sur la culture Yoruba, c'est à travers Nollywood. Et ça m'a donné, ça m'a intéressé et de connaître davantage sur le Nigeria. Donc, ce qu'il nous faut, c'est d'avoir une plus grande plateforme. Parce que pendant longtemps, on a fait des films en pensant que le Ghana, c'est le Ghana, le Nigeria, c'est le Nigeria. Mais c'est bien d'avoir des plateformes plus importantes comme Netflix pour que le monde puisse nous découvrir. Nous commercialisons pas seulement en pensant à l'Afrique, en pensant seulement à l'Afrique, mais en pensant au monde. Les gens ont souvent défini l'Afrique à partir de leur présomption. Donc, nous devons nous ressaisir de ce narratif et raconter notre histoire et projeter notre continent de la manière qu'il faut. Maintenant, quand vous voyagez en dehors du continent et que vous dites que vous êtes Nigérien, Ghanéen et Sud-Africain, on a une meilleure image de vous parce qu'on a vu de belles choses sur l'Afrique à travers les films. Excellent.
Merci. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je voudrais ramener tout ça à la globalisation et ce que l'influence que la globalisation a eu sur la culture africaine. Monsieur Steve, comment la globalisation a affecté ou ravivé la culture africaine? Nous avons la chance parce que il y a la libéralisation des médias, la numérisation, cela a aidé l'Afrique à protéger son contenu. Avant la libéralisation des médias, nous avons toujours consommé et ce que Hollywood projetait. Et vers autour de 1990, nous avons vu les francophones qui se sont réveillés et qui se sont dit qu'il faut consommer. Et les Français ont dit, oui, c'est bien, il faut consommer ce qui vient d'ailleurs, mais nous devons accorder la priorité à ce qui vient de Chine. Et maintenant, plus nous avons l'opportunité de vendre nos produits au monde, et en fin de compte, ce sera une situation gagnant-gagnant pour l'Afrique. Ce n'est pas la globalisation en tant que telle. Pendant l'esclavage, quand les gens sont venus et ont vu l'art africain, l'artisanat, et ils ont emporté ces choses. Pour être clair, ils ont volé notre culture. Maintenant, dans le contexte de globalisation, et du fait que les espaces sont ouverts, l'Afrique est assez courageuse pour demander le retour de ses produits. Imaginez les avantages que nous pourrons en tirer. Ça veut dire que nous pourrons construire davantage de musées. Et parce que l'Occident se dit que même si on vous retourne ce qu'on vous a appris, où est-ce que vous allez les mettre? Et en février 2018, je suis allé négocier avec le musée britannique sur un certain nombre d'objets qui devaient nous être retournés. Et ils nous ont dit qu'ils sont en train de nous louer ces objets. Mais c'est vrai que je vois Lydia en train de rire. Voilà, ce qui nous ont pris, ce qui nous appartient, ils sont en train de nous les louer. Et comme on le dit dans mon langage en Yoruba, on ne peut pas rejeter l'argent. Et voilà, les objets d'art comme ça représentent une richesse et on ne peut pas les rejeter. Ce qui s'est passé, voilà, c'est que les négociations ont continué et après on est passé de nous sommes en train de vous louer ces objets d'art au fait que ces objets nous appartiennent. Et même dans le royaume, et nous avons pensé mettre ces objets dans le royaume de Bénin. Il y a un centre à Lagos sur la culture africaine. Et ça a commencé sous le gouvernement précédent et ça va, ça va être achevé sous le gouvernement actuel. Et la situation gagnant-gagnant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes plus au courant de nos droits. Et parce que si nous savons les richesses que les musées occidentaux ont tirées de ces objets d'art, l'argent qui a été retiré des touristes qui viennent voir ces arts est assez pour construire les musées. J'ai parlé de Beyoncé avant. Regardez ce que Afrobeat est devenu.
il y a aussi une collaboration entre le Nigeria et le Ghana. Et je ne sais pas si nous sommes des sœurs ou des petits amis. Et c'est, je crois que c'est un DJ ghanéen qui a créé ce thème à Afrobeat. Mais aujourd'hui, c'est devenu presque le son nigérien et c'est en train d'évoluer. On a hip-hop. Avant, on avait que hip-hop, Michael Jackson et autres. Aujourd'hui, nous avons un son africain. Et vous avez vu ce que Janet Jackson a fait la dernière fois. Elle a ouvert son spectacle avec les danses africaines. Qui pouvait penser que aujourd'hui qu'un artiste africain pouvait remplir Madison Square. Et aujourd'hui, le son africain est prêt pour concurrencer et tous les autres sons et partout à travers le monde. C'est une situation gagnant. Nous avons longtemps laissé tout au reste du monde et c'est aujourd'hui à notre tour de montrer au monde que nous sommes prêts à occuper notre place. Vous savez, en octobre, j'étais à Cambridge pour assister aux objets d'art de bronze de Bénin et de l'école. Et je me suis dit que les parents des élèves qui sont ici sont arrivés en Afrique et ils ont volé nos objets d'art et ils sont venus les donner à Cambridge. Et donc, je pense que le retour des objets d'art qui ont été volés du continent est très important. Quelle est votre idée, votre opinion sur ce qui vient d'être dit, monsieur l'ambassadeur? Je n'ai jamais été en désaccord avec Steve et on a travaillé ensemble à plusieurs occasions. L'objectif de ramener les objets d'art africain en Afrique, et Steve et moi, nous avons fait la promotion en Namibie pour rassembler les Ghanéens, les Nigériens et les Namibiens. Nous avons la deuxième compagnie aérienne qui fait le trajet entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud. À cause de COVID, notre compagnie a fait faillite. Je pense que la globalisation a été généralement bénéfique pour l'Afrique. Quand vous avez vu que l'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde, et si vous voyez aussi la dernière Coupe du Monde en Russie. Et quand vous voyez l'influence des joueurs africains, bien sûr, aucun pays africain n'a encore gagné la Coupe, mais l'influence des joueurs et des équipes africaines est en train d'évoluer. On ne peut pas sous-estimer l'influence de Mbappé et des joueurs d'origine africaine sur le football. Il y a encore des lacunes. Il y a encore, quand vous regardez les Nations Unies, il n'y a pas de langue officielle qui est une langue africaine. Donc, on a l'espoir qu'un jour, avec les efforts africains, il y aura une langue de ce continent qui deviendra une langue officielle des Nations Unies comme en Swahili ou une langue qui est parlée par beaucoup sur le continent. Quand vous voyez dans notre pays, nous avons institué l'apprentissage du Swahili pour les étudiants qui aimeraient l'étudier. Je crois que c'est l'un des instruments qui va un jour permettre aux Namibiens de
de converser avec leurs homologues de l'Afrique de l'Est. Voilà. Et si vous regardez ce que j'ai appris de Steve, c'est que Lagos est la ville la plus cool sur la terre. Parce que l'industrie du divertissement ici est très grande. Même pour un petit pays comme la Namibie, l'industrie cinématographique a de l'importance. Nous avons un film namibien qui a remporté le prix du meilleur film en Afrique du Sud. Et graduellement, vous pouvez voir que même pour un petit pays, l'industrie cinématographique a beaucoup d'importance. Bien sûr, quand vous regardez le géant africain, un Africain sur quatre est Nigérien. Votre cinéma, votre musique, même vos religions, c'est une source de fierté pour l'Afrique parce que c'est reconnu à travers le monde. Il y a beaucoup d'églises nigériennes en Namibie et je suis membre d'une de ces églises, d'Ipalaz. Donc, il y a quelque chose qui nous rassemble. La globalisation a été un domaine où l'Afrique a excellé, où l'Afrique a excellé. Et il est temps qu'on ait cette reconnaissance. Je crois que cette reconnaissance est là. On peut voir ça dans le football. Et même les athlètes africains, même dans les Caraïbes, en Jamaïque, et dans les courses de fond. Et nous avons Christine Mboma qui a été deuxième sur les 200 mètres. Et quand cela arrive, nous avons Franky Frédéric il y a plusieurs années. Subitement, nous avons de nouveaux athlètes qui ont de bonnes performances. Christine n'a que 19 ans et elle a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de domaines où nous avons excellé et nous devons en tirer profit. Vous avez raison, nous sommes partout. Il y a un mois, j'ai discuter avec l'ambassadeur de la Corée du Sud. Et c'est vrai, nous sommes partout. Nous sommes en Chine, au Japon, et je lui ai demandé combien de Nigériens il y a en Corée du Sud. Et il m'a dit qu'il y a plus de 3000. Et il y a des restaurants Yoruba, Ibo, et j'ai été surpris. Mais je ne devais pas être choqué parce que je sais que nous sommes partout. Mais au-delà de notre cinéma, de notre mode, de notre musique, de notre art, comment nous pouvons projeter la culture africaine comme une histoire de réussite mondiale? D'abord, je crois que l'éducation est importante. Et à travers l'éducation, nous pourrons tout faire. L'éducation, c'est la liberté. Et la globalisation s'appuie sur ces choses-là. On ne peut pas profiter de la globalisation quand on n'est pas éduqué. Et tout dépend aussi de la façon dont nous préservons les choses. Et nous devons penser aussi à comment redynamiser notre façon de faire les choses, de les faire de façon beaucoup plus vibrante. C'est vrai que les choses sont faites ou ont été faites de façon vibrante, mais nous n'avons pas documenté ces façons de faire les choses. Donc, la documentation doit être vibrante. Ma marque
raconte une histoire et ce que beaucoup de marques n'ont pas en Europe. Donc l'éducation est importante. Et je pense qu'il est temps pour nous de nous approprier ce que nous faisons. Cela implique aussi que nous devons éduquer les gens. Le centre que nous essayons de construire et de le rendre accessible, et c'est que nous pouvons commencer au Nigeria et nous étendre au Ghana et après nous étendre dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, à partir de ces choses, on pourra commencer à s'éduquer de différentes manières. Et ça concerne l'éducation de la mode, l'éducation en termes de musique, l'éducation en termes de son, les rôles de directeur créatif. Il n'est pas seulement question de créer des vêtements. Et il faut aussi comprendre le business. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de me concentrer seulement sur la mode, mais comment cette mode pourrait s'inscrire dans l'expansion et comment on pourrait en tirer profit. Quand allez-vous ouvrir le centre? Peut-être l'année prochaine, c'est un long processus. La sécurité à Lagos est compliquée en ce moment, au Nigeria en général. Et donc, c'est un facteur très important pour nous. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que la liberté est très importante. J'espère qu'on sera dans de meilleures conditions l'année prochaine afin qu'on puisse ouvrir. Félicitations pour votre projet. Comment on peut réfléchir au-delà de ce que nous sommes en train de vivre déjà. Je crois qu'en nous appropriant qui nous sommes, en m'appropriant qui je suis, j'ai appris sur ma personnalité. Nous devons connaître notre passé parce qu'on dit que vous ne pourrez savoir où vous allez qu'en sachant d'où vous venez. Et nous pensons souvent que notre histoire a commencé avec la colonisation, alors que nous existions longtemps avant la colonisation. Donc nous devons retourner en arrière et redécouvrir qui nous sommes, notre identité. Et c'est avec cette confiance que nous pouvons négocier avec courage et réclamer et tout ce qui nous a été volé et exiger le retour de ces choses. Tout le monde sait au Ghana que les musées occidentaux sont remplis d'objets d'art ghanéens, mais personne n'avait le courage de les réclamer. Mais aujourd'hui, tout cela est en train de changer et on a le courage de réclamer que ces objets nous soient retournés. Quand on va sur les réseaux sociaux, on voit que les jeunes sont en train de donner de la voix pour que ce qui nous appartient nous soit retourné. Donc, quand on sait d'où on vient, et ça nous apprend beaucoup de choses sur nous et ça guide nos actions. Donc, quand vous connaissez l'histoire, vous savez d'où vous pouvez apprécier le passé, le présent et avoir une idée de l'avenir. J'ai un contrat d'un autre pays comme l'Europe et que je suis à la table de négociation, je pourrais me sentir redevable à ces gens de m'avoir à la table. Mais aujourd'hui, je connais ma valeur. Donc, je sais que j'ai ma place autour de cette table parce que je sais ce que je contribue. Donc, parce que je connais mon histoire, je suis toujours en train d'apprendre, je vais dans mon village, je pose des questions sur mon histoire et plus je découvre, plus je suis fasciné et plus je suis fier parce que j'ai une identité. Et c'est pourquoi les conversations comme celle-ci sont importantes.
Je le dis au Ghana souvent, combien de personnes lisent les livres que nous étudions à l'école. Nous devons retourner à nos sources pour découvrir qui nous sommes et ce que nous pourrions voir. Et c'est à ce prix que et ça nous donne le courage, comme Bonaboy l'a fait. Il a eu le courage d'aller à Madison Square et il a la confiance qu'il pourrait remplir cette arène. Au Ghana, l'ancien président a institué quelque chose qu'on appelle l'habillement du vendredi. Les tenues traditionnelles, c'est les pagnes. Donc, les vendredis, on porte les pagnes africains. Donc, j'étais à l'université alors, je me suis dit que personne ne va porter ces choses. Mais aujourd'hui, et tout le monde porte ça, nos chaussures, nos sacs et tout. Donc, nous devons nous approprier notre identité en tant qu'Africains. Nous allons ouvrir le débat pour des questions très bientôt parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes ici qui aimeraient poser des questions. Je pense que c'est très important. Je voudrais rendre ça un peu plus difficile ici. Est-ce que vous pensez qu'à mesure que nous évoluons, je suis juste comme vous, plus j'apprends sur mon histoire, plus fier et plus confortable je suis avec mon identité. Mais est-ce que vous pensez que nous avons encore beaucoup de barrières? Prenez la religion par exemple. La religion c'est un sujet très sensible pour beaucoup de personnes. Comme les Tiana sont populaires aujourd'hui, mais nous avons beaucoup de religions aujourd'hui. On ne veut pas en parler. Et il y a des pratiques qui nous donnent une mauvaise image de nous. Et est-ce que vous pensez que nous avons encore beaucoup de chemin à faire sur des choses comme la religion, par exemple? Je pense que la bataille des 10, 20, 30 prochaines années ne s'articulera pas autour de la réclamation de notre identité. C'est comment faire en sorte que les gens qui sont ici sur le continent, les gens qui ont eu des désaccords sur FESTAC en 1987 et qui pensent que créer un couvent pour un dieu qu'on ne peut pas voir est un problème. Et je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle depuis 30 ans on n'a pas de musée pour l'art africain dans la capitale fédérale du Nigeria. Nous devons voir ce qui nous appartient. Et en termes de divinité comme satanique et dire que nos enfants ne doivent pas s'associer à ces choses est en train de tuer une partie de notre culture. Et les gens qui qui ont cette mentalité, et regardez nos mariages par exemple, nous les appelons mariages traditionnels, mais on finit le mariage traditionnel et puis on va à l'église. Et quand on va à l'église ou à la mairie, on voit les parents des mariés qui sont dans des tenues traditionnelles, mais les mariés eux-mêmes s'habillent dans des trucs qui ne viennent pas de l'Afrique.
En termes de religion, nous devons définir des stratégies et avoir le courage de combattre cette conception. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre les pratiques religieuses qui sont dominantes sur le continent aujourd'hui, mais qui sont étrangères, qui sont venues d'ailleurs, mais c'est que nous devons valoriser aussi nos religions. Et il y a des éléments qui montrent que c'est faisable. Et quand vous voyez Emmanuel, le président français Emmanuel Macron, il est notre ami, il est venu au Nigeria en 2018 et il a dit qu'il ne va pas rester dans la zone urbaine, mais qu'il va aller sur le mainland, et il a visité le couvent de Fela. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que Macron a fait en validant cet espace d'art et l'essence qui est associée avec cet endroit. Et on a fait venir Youssoundou, Angélique Kidjo, et tout le monde était libre sur scène. Le message pour moi, c'est plus fort qu'un président qui a tout le pouvoir et qui s'associe à des gens ordinaires. Mais c'est une façon de valider notre culture, une culture avec laquelle beaucoup refusent de s'associer. Et donc, nous devons tout faire pour reconnaître l'essence de ce que signifie la culture africaine. Quand il y a un temps, quand vous voyez Kenneth avec ses dreads, vous allez penser que c'est une divinité. Mais aujourd'hui, ça fait partie de la culture. La culture africaine, ce n'est pas seulement la façon dont je suis habillé. Et c'est la façon aussi de rendre notre culture acceptable pour le monde. Donc, le combat est le nôtre et c'est un combat que nous devons gagner. Merci. Nous avons eu une conversation fournie. Je vais ouvrir maintenant le débat, pour des questions. Le micro sera circulé pour que les participants puissent poser des questions. Bonjour, je m'appelle Zena. Ma question s'adresse à tous les intervenants. Quel est le rôle des langues dans tout ceci? Je me considère comme un exemple. Je viens de beaucoup d'ethnies africaines. Quand j'étais enfant, mes parents ne m'ont pas vraiment parlé ma langue maternelle, qui est Idjo. Mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à entendre des choses comme « nous représentons une minorité ». Et ça affecte votre psychologie. Mais aujourd'hui, quand les gens parlent de Burna Boy, je suis fier parce que ces gens-là viennent du delta du Niger. Donc, quelle influence vous pensez la place que la langue occupe dans la façon dont nous projetons la culture africaine? Merci. Une question brillante et fantastique. Moi, je place
je mets la langue et la cuisine africaine au même pied. Mais la langue est un cran au-dessus, parce que ça véhicule la totalité de nos expressions. Ce que nous portons, ce que nous mangeons, et les films que nous regardons, c'est aussi des mots d'expression. Mais la langue est importante. Quand on vous prive de l'opportunité de communiquer dans votre langue maternelle, il y a un écart. Il y a une coupure avec votre essence. Et ça doit nous dire quelque chose sur la façon dont nous éduquons nos enfants. Et c'est la conséquence de notre trajectoire en tant que peuple, qui a été une fois conquis, mais ça fait partie des batailles, des combats dont je parle. Et voilà, il a parlé, et mon collègue a parlé de l'instauration d'une langue africaine comme langue des Nations Unies, langue officielle des Nations Unies. Donc, nous devons commencer par reconnaître ces langues-là. Voilà. Comme le Swahili, Igbo, Yoruba. Ce que vous avez dit sur la minorité, votre père vous a dit que vous faites partie de la minorité, ça doit vous affecter. Est-ce que vous parlez votre langue? Nous avons déjà fait beaucoup de mauvais choix, mais vous devez commencer d'abord par parler et apprendre votre langue. Donc, nous avons déjà fait beaucoup de mauvais choix, mais on ne doit plus continuer sur la mauvaise trajectoire. Je dois féliciter les petits efforts d'institutions, des académiciens, même sur un bouquet télé, on ne peut pas quantifier l'impact des chaînes comme Africa Magique sur nos enfants. On peut penser qu'ils regardent des films Yoruba, Igbo, Hausa, mais ça a une influence sur nos enfants. Ils apprennent certains mots en regardant ces films. Donc, c'est pourquoi nous devons applaudir ce que nos artistes font, ceux qui chantent dans les langues maternelles, dans nos dialectes, dans nos patois. Et c'est aussi un moyen pour nous de retourner à nos langues. Et les gens n'ont plus honte d'utiliser des expressions qui autrefois étaient mal vues. Donc nous devons faire les bonnes choses à faire. Il y a quelque chose que l'Assemblée nationale de l'État de Lagos a essayé et il fut un temps. Donc chaque jeudi était la journée de la langue locale. Et les débats à l'Assemblée ont lieu dans la langue locale. C'était une initiative brillante. Les trois plus grandes stations radio à Lagos sont soit dans la langue locale ou dans le pidgin. Mais nous devons encourager. Si une station Yoruba comme Bond FM, comme Oiseau Bia peut avoir une si grande audience, ça donne espoir. C'est contre toutes les prédictions que dans les 100 prochaines années, nos langues africaines vont disparaître. Je ne le crois pas. Ces langues ne peuvent pas disparaître. L'ambassadeur, vous avez parlé
de l'adoption par les Nations Unies d'une langue africaine comme une langue officielle des Nations Unies. Quelle est votre position sur la question de notre sœur? Et ce qu'elle dit, c'est que nous devons être fiers de qui nous sommes. Quelle que soit la nature de notre africanité, nous devons en être fiers. Et regardez par exemple les femmes avec les cheveux naturels africains. Si une femme choisit de porter ses cheveux naturels, ça doit être c'est bien, ça doit être apprécié. Quand j'ai fini l'université, je ne parlais pas anglais, je parlais la langue coloniale qu'on appelle Afrikaans. C'est le moyen d'expression. En moi, je n'ai jamais su que je maîtriserais l'anglais. Mais quand je suis retourné à l'université, je fais partie des gens qui s'agitaient pour apprendre l'anglais. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Et ça dit beaucoup sur nous en tant qu'Africains. Et nous avons beaucoup d'obstacles contre nous. Mais malgré ces obstacles et ces défis, nous continuons d'exceller. Et regardez votre employeur, UBA. Vous êtes la seule banque africaine en Amérique. Cela n'est pas arrivé sur un plateau d'or. Et votre président a eu beaucoup de défis pour introduire cette banque en Amérique. Donc, malgré tous les défis, aujourd'hui, cette banque est présente en Amérique. Donc, c'est quelque chose dont nous devons être fiers. Quand vous allez à l'aéroport JFK, vous voyez la compagnie ARIC, on doit être fier de voir une compagnie africaine qui fait la navette entre l'Afrique et New York. Nous devons être fiers de toutes nos compagnies qui font ces longs voyages, Ethiopian Airlines et les autres. C'est quelque chose qui doit être applaudi, qui doit être encouragé. Pour nos langues, nous devons embrasser quelque chose qui relève de notre identité. Une dernière question. Encore une question. Bonjour. Voici ma question. On parle d'histoire de réussite mondiale en termes de leadership. Et en Afrique, si le leadership si la gouvernance est bonne, quand on parle de migration, on ne va pas parler seulement des gens qui quittent l'Afrique pour aller pour sortir du continent, mais les gens vont quitter le Nigeria, par exemple, pour aller au Nigeria. Donc, quel rôle vous pensez que la gouvernance joue? Je pense que je peux répondre à cette question. Il y a il y a 6 mois, ma femme m'a dit, pourquoi tu ne m'amènes pas en Europe? Et je lui ai dit que ce qu'il y a là-bas, il n'y a rien là-bas que nous n'avons pas ici. Le fait que nous ne devons pas seulement penser à quitter le continent, mais nous devons également penser à trouver des solutions pour les problèmes que nous avons ici. Trouver une solution, je vais retourner à la question sur la langue. Sur mes vêtements, il y a quelque chose où j'écris Owu, ça veut dire coton. Donc, pour moi, c'est très important. Donc, ce que nous devons rechercher, c'est comment trouver des solutions pour
réussir. Donc, il faut d'abord comprendre ce qu'on fait. Et quand vous faites quelque chose que vous ne comprenez pas, ce n'est pas la peine de le faire. Et quand vous voulez vous aventurer dans un business, si vous ne comprenez pas, et si vous y allez parce que vous n'avez nulle part où aller, ce n'est pas la peine d'y aller. Si vous voulez quitter votre pays, vous pouvez venir en Namibie. La chose principale, quand nous, en tant que pays africain, nous exportons les matières premières, nous sommes en train d'exporter les emplois. Nous, en Namibie, par exemple, nous exportons du poisson. Quand le poisson arrive là-bas, il crée beaucoup d'emplois. Donc, c'est la même chose pour toutes les autres matières premières. Le jour où nous allons arrêter d'exporter des matières premières et que nous allons commencer à les transformer sur le continent, la plupart de nos enfants vont rester sur le continent parce qu'il y aura des emplois. Nous avons des Nigériens qui sont arrivés en Namibie qui ont créé des entreprises pour transformer le charbon et qui exportent le produit et le charbon transformé. Et nous, dans notre sagesse africaine, nous devons tout faire pour arrêter d'exporter des matières premières, éviter d'exporter et des emplois pour obliger nos enfants à traverser la mer pour aller en Europe. Une chose qui peut aider ce concept, c'est la zone de libre-échange continentale. Encore une question et nous allons boucler cette séance. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici. En vous écoutant, j'ai eu un retour rétrospectif. Et je me demande, quand je travaillais en Europe, c'était la colonisation. S'il m'était arrivé de porter des tenues traditionnelles africaines pour aller travailler, peut-être que les gens seront choqués. Personne ne nous interdit de les porter, mais nous-mêmes, on ne se sent pas à l'aise. Pour nos vacances, par exemple, pourquoi on ne peut pas partir en vacances dans les pays de la CEDEAO? Pour les pays qui demandent un visa, si je suis allé en Afrique du Sud avec deux passeports, j'avais mon passeport européen et... Si j'avais utilisé mon passeport nigérien, on ne m'aurait pas permis d'aller en Afrique du Sud. Donc, si parmi nous-mêmes, les pays africains, nous ne facilitons pas le mouvement de nos citoyens entre nos pays, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il y a un changement. Qui doit s'opérer au niveau des institutions, mais parmi nous-mêmes, nous devons opérer des changements. J'ai travaillé en Europe, je m'habillais comme ceci, je suis arrivé au Nigeria pour travailler, je continue de m'habiller comme ça. Donc, est-ce que nous devons continuer de nous habiller de la façon occidentale ou Nous devons nous commencer à nous habiller, à porter nos tenues africaines pour venir travailler.
Et donc, pour trouver les solutions, on ne doit pas toujours regarder vers l'extérieur, on doit regarder en nous-mêmes. Lydia, vous pourrez intervenir. Un peu de silence, s'il vous plaît. Alicia a créé une bombe. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est le genre de conversation qui m'excite. Les gens pensent que je suis radical, mais c'est ça. Et nous disons les choses et nous tournons autour du pot. Mais voilà des conversations brutales que nous devons avoir. Pourquoi vivre sur un continent où les avocats doivent porter des choses sur leur tête qui ne nous disent rien? Donc, au Ghana, on interdit, on renvoie des gens parce qu'ils ont des dreads sur leur tête. Et puis, la raison, c'est que c'est ça la règle. Qui font les règles? Pourquoi vivons-nous comme si nous sommes dans une sorte d'esclavage d'où nous ne pourrons pas nous libérer? Et les règles ont été fixées il y a plus de 60 ans, mais nous continuons de nous comporter comme si nous ne pouvons pas les changer. Moi, j'ai les cheveux naturels et je suis une adepte des cheveux naturels. Quand j'ai commencé dans le cinéma, c'est difficile d'avoir un styliste qui s'occupe des cheveux naturels sur scène. Et je suis allé en Afrique du Sud pour un rôle et j'y suis allé avec mes cheveux naturels. Et ils disent qu'ils doivent ajouter des mèches et des choses à mes cheveux, c'est ce qu'ils conseillent. Je me suis battu contre ça, mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'il faut que nous acceptions d'avoir des conversations inconfortables sur la façon dont nous habillons, sur les cheveux que nous avons? J'aime par exemple les cheveux de Kenneth, mais il fut un temps, quand vous avez des cheveux comme ça, on va dire que vous n'êtes pas sérieux. Moi, à UBA, on peut avoir des cheveux comme ça. Donc, tout le monde doit venir travailler à UBA. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui joignent l'action à la parole. Donc, les gens doivent pouvoir porter les cheveux qui les rendent confortables, doivent porter des vêtements qui les rendent confortables. Et quand les gens sont confortables, ils ont confiance en eux et il y a une façon pour eux de la façon dont ils parlent, la façon dont ils se comportent, et ça se voit dans notre identité, nos religions, font partie de notre identité. Donc, nous devons accepter d'avoir ces conversations inconfortables pour faire en sorte que nous puissions croire en notre africanité. Waouh, quelle conversation. Merci, merci. L'un de mes meilleurs philosophe a dit que partout où vous allez, vous voyez les hommes dans des chaînes alors que l'homme est né libre. Bonne journée mondiale de l'Afrique. Merci à nos panélistes, à ambassadeur, Monsieur Steve, Lydia. Ça a été un très bon événement. Nous avons eu de très bonnes conversations. Merci. Nous demandons aux panélistes de rester assis. Nous avons de très bonnes conversations, donc nous avons les
les administrateurs, et puis nous avons Bola, le responsable de la banque, et Togo vient nous donner le mot de la fin. Après son message de clôture, nous allons écouter l'hymne de l'Union africaine. Il faut, je vous prie d'applaudir nos panélistes. Merci, merci. Au nom du conseil et de UBA, Africa Arts Global Blank, je vous remercie de nous faire l'honneur d'être parmi nous pour dans le cadre des conversations de UBA sur l'Afrique. Je remercie mes collègues et ceux qui sont venus en personne et ceux qui nous ont rejoints sur les plateformes numériques et aussi nos clients et qui par leur fidélité continuent d'assurer notre croissance au jour le jour et nous ont et j'espère que ils vont nous donner encore nous faire l'honneur de nous donner les moyens d'organiser encore cet événement en 2023. La UBA est la principale banque panafricaine qui continue d'offrir nos services et de soutenir le développement des économies africaines. UBA est au devant pour s'assurer que les Africains et les entreprises africaines et que ceux qui voudraient faire des affaires avec l'Afrique continuent de le faire. Je vous remercie tous d'être avec nous. Bonne journée de l'Afrique. Je suis content quand Patricia a dit que nous devons changer notre façon de nous habiller. Demain, je vais porter une tenue traditionnelle avec mon chapeau rouge. Merci et passez une bonne après-midi. Maintenant, l'hymne de l'Union africaine. Thank you.
At the United Bank for Africa, we are committed to delivering the best for you. We create financial solutions that power your dreams to ensure that your needs, however small, or however great, are always met. We have deep roots in Africa. Across our continent, we drive financial inclusion, trade, and entrepreneurship, helping all our clients realize their ambitions. Kingdom and in France. We are the only African bank with a national banking license in the USA. In leading financial centers, we provide services and solutions to banks, corporates, sovereigns, and development organizations. We understand the importance of the Gulf as a hub for global trade, and we are expanding our business there. Hey Leo, split the bill into four, please. UBA is a digital pioneer built on our cutting-edge technological infrastructure that guarantees not just to take Africa's talents and perspective to the world, but to bring the entire world back home. Because the one thing you can trust is we will always be there for you. UBA, Africa's global bank. Excellence doesn't happen overnight. We have over 70 years of banking expertise and experience across Africa and the world. At 21st century innovation, and now there is no limit. At the United Bank for Africa, we are committed to delivering the best for you. We create financial solutions that power your dreams to ensure that your needs, however small, or however great, are always met. We have deep roots in Africa. Across our continent, we drive financial inclusion, trade, and entrepreneurship, helping all our clients realize their ambitions. We operate in the United Kingdom and in France. We are the only African bank with a national banking license in the USA. In leading financial centers, we provide services and solutions to banks, corporates, sovereigns, and development organizations. We understand the importance of the Gulf as a hub for global trade, and we are expanding our business there. Hey Leo, split the bill into four, please. UBA is a digital pioneer built on our cutting-edge technological infrastructure that guarantees not just to take Africa's talents and perspective to the world, but to bring the entire world back home.
Because the one thing you can trust is we will always be there for you. UBA, Africa's Global Bank. Life no dey stop. Whether na landlord we won't chop you wrong. We no believe say life supposed to stop because you won't move forward. Now why we dey won't die away to settle every matter? Won't die away to give you the loan where you need sharp sharp. Just dial star 919 star 28 hash. That's all. Life no dey stop. You self no supposed to stop. Click credit UBA. Life never stops. Okay, we the pioneers, we the ones who the don'ts wanna come near. Next gen kings, we the next best thing. Shout out to Chairman.
Check. My check. I don't see the other mic, so. Mic check. Please, Kimu, don't nearly get me, sir. Check. I didn't even confirm the verification badge in the account. Because I know UBA would never ask me to share my bank details or my PIN for that matter. Well, to complete the game. Look out for the verified handle tag on our mic social check, media mic platforms check, before check, engaging. Check. And do not share your private information with anyone. And ensure check. You report any suspected check. Fraud check. Activities to our fraud helpline, UBA, Africa's global bank. Man, talk like that. Mic check. Okay. Mic check 1, 2. Good as fun. Forget. Pack it. Mic check 1, 2. Yes. I will require it more now. Mic check 1, 2. Good afternoon, excellence, ladies and gentlemen. Doesn't happen overnight. We have over 70 years of banking. The show has been wrapped. And experience across Blue. Africa and the world. At 21st century innovation, and now there is no limit. Yeah. Mic check at 1, 2. At the United Bank for Africa, we are committed to delivering the best for you. The show we has been financial wrapped. Financial solutions that power so, your dreams. There's a refreshment. However small. There's a refreshment in our cava. So, Mr. Dayo, are we okay? However great. Mr. Dayo, are we okay, right? We are okay. We have deep roots in Africa. Across okay. our continent. We drive right. financial inclusion, right. trade, and entrepreneurship. Right. So what are we talking? Helping all our clients realize their ambitions. I know they hear myself. Except I come like this before I hear myself. Like this, I know they hear myself. Kingdom and in France. Okay, they hear me now. We are the only African bank with a national banking Hello. License in the USA. Are you there? In leading financial centers, we provide services and solutions to Sir, banks, can you hear corporates, me? Sovereigns, can you hear me? And development organizations. I hear myself, oh. Maybe I'm the one because we I'm understand the importance of the Gulf as a hub for global trade. And we are expanding our business there. Let me talk and you talk, so. Hey, Leo. Split the bill into 4, please. Me, I know they hear myself, but is I, a digital pioneer built on our cutting-edge technological infrastructure the mic is that okay. guarantees it's okay. not just to take Africa's talent and perspective to the world, but to bring the entire world back home. Because the one thing you can trust is we will always be there for you. UBA, Africa's global bank.